J'ai préparé beaucoup de choses, mais je ne me rappelle rien. Et je dois dire ça. Je pense que ça, c'est un travail d'énergie positive. Ok? J'étais à Rio. J'ai rencontré JR. On a connu tout de suite et m'a dit, on doit faire ça à Paris. Pourquoi? On a une mère qui, elle va comprendre tout. Je parle avec elle tout de suite. On est ici. Et je pense que c'est seulement, on a commencé. Pourquoi? Si vous imaginez, si vous avez une vision, sa place, comme Milano, comme Rio, il va devenir en 2 ans, quand tout est fini, un des plus beaux places de Paris. Ma beau est en tous les sens. Et la beauté des idées, la beauté des énergies, la beauté de l'éthique, à fianco de l'esthétique. Hier soir, je ne pouvais pas dormir. Je suis très émotionné. Et j'ai trouvé une phrase de Camus que j'aimais beaucoup. Et je le veux conduire avec vous. La beauté ne fait pas la révolution. Mais un jour, la révolution nécessitera de la beauté. Je pense que j'ai parlé beaucoup j'ai expliqué beaucoup de ce projet. Ça, ce n'est pas charité. Ça, c'est un projet culturel pour combattre les gaspillages. OK? 860 millions de personnes n'ont rien à manger. 1,3 billions de tonnes de food, de production va en gaspillage et 33% de la production du monde est produit pour 12 billions de personnes. Ça, ce n'est pas possible. Alors, nourrir les planètes, ce n'est pas produire plus. Nourrir les planètes, c'est combattre le gaspillage. Et comment on le combat? Avec la beauté. La beauté des imaginations des chefs, la beauté des imaginations des artistes. Gérard, ce n'est pas ici, vous le connaissez, il n'aime pas ça, mais je pense qu'il est dans la place. Mais la beauté, c'est ça. Et avec la beauté, on va reconstruire aussi la dignité de ceux qui viennent à manger ici. Pourquoi tout le monde peut faire ça? OK? J'ai dit tout. Merci beaucoup. Merci, Madame la maire. Merci à tous les grands chefs qui sont part de ça. Merci. Une chose importante, c'est que Collégie culinaire de France elle sera notre partenaire de projet. Yannick et Alain sont deux des 15. Qui appoggia le creatore e ieri ils sont venus ici, ils ont amené le projet e ils vont involver 1500 restaurants dans la France intera. Et ça, c'est incroyable. Merci. Montez sur scène, les deux. Bien, Alain, viens avec moi, monsieur. Non, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que, effectivement, ce support du Collège culinaire de France est important, puisqu'on se bat, nous, de notre côté, pour faire en sorte que les artisans de qualité soient présents sur les tables et dans le monde. Ça aussi, ça fera changer le monde. On en est convaincus. Donc, avec nos convictions, avec notre passion, on essaye de rendre quelques gens heureux, en tout cas aujourd'hui, essayer de faire venir les 1500 membres adhérents du Collège culinaire de France. Donc on y a passé et on y passera encore beaucoup d'énergie. Et surtout, moi je voudrais saluer notre ami Massimo Bottura. Un jour il m'a appelé, il fait viens à Milan, on a cuisiné à Milan. J'ai dit mais c'est un fou ce mec. Et c'est un fou vraiment, quoi. C'est-à-dire que c'est Paris,
C'est bientôt Rio, Londres, je crois. On y va aussi, hein, donc ça nous permet de voyager en plus. C'est sympa. En tout cas, on est très fiers d'accueillir Massimo à Paris. Et bravo ton énergie, encore une fois, s'il fait ça avec beaucoup de cœur et de, voilà, de passion et parfois au sacrifice de son entreprise. Voilà, bravo Massimo. L'essence même du métier de cuisinier, c'est la générosité et le partage. Donc il était essentiel qu'on partage le plus grand nombre. Et c'est l'essence de notre métier, je le répète. Merci Massimo. Alors, Massimo, on se connaît depuis longtemps. Et je 30 ans. Pas, 30 ans. Il était tout petit, tout jeune, il sortait des cours. C'est pas vrai. Non, il n'avait pas, je n'avais pas de barbe. Je suis son. Jean-Marco. Je suis le supporter de Massimo partout en monde. Merci à vous. Merci. On va manger quelque chose, hein? La cuisine va servir quelque chose. San Francisco. He saw the project. By phone. We were talking with Chiang. He said, I love this project and I'm gonna support this. You know, Mr. Pinoyla did the same thing. Mr. Palotta, the owner of the Boston Celtics, he wants his project in Boston. It's exactly like Bashur, one of the richest men in Mexico, said, I want to do it in Merida, because it's absolutely, I love it. You know, the more people we involve, the more it's changing and it's spreading. When they say, ah, but this is charité, pourquoi tout est fait ça? You know, my restaurant in Modena opened the reservation the first day of the month at 10 o'clock. In 1 minute, 30 seconds, we are fully booked. So it's not about that. Because I don't need that. But it's about changing the mind of people. Changing the mind. You know, now people are thinking differently. You know, the President Obama and James Beard Foundation, they invite me in Palm Springs to have a round table with all the people who they really believe in this, in changing the world, thinking about food waste, feeding the people, climate change, healthy food. Michelle Obama was very interested in that. So if we all, you communicate to the world this idea, like the book, and fun, you know, it's like the people in the family, they have ideas, and you know, they can have ideas how to not to waste food, how to save money, how to buy seasonal. You know, this is the problem. Alors, vous avez annoncé des chefs à l'ambassade, Michel Trudeau. Oui, il y a beaucoup. Ils viendront ici physiquement ou ils composent les menus? Comment ça se passe? Oui, ici, oui. Plusieurs fois. Yannick Aleno est dans la cuisine. Romain de Plaza Tenez dans la cuisine. On doit être ici. On doit voir ce qu'il y a à la matinée. On ne savait pas hier ce qu'on va cuisiner. On a pris tout ce qu'il y avait et on va faire la cuisine en ce moment. Massimo. Excuse me, why beauty is so important to me in your project? Yeah. For you and beauty, your project. Beauty, I've learned that during all these examples, all these years, and I've learned that people, they were walking in such an amazing places, they felt, wow, this is unbelievable. This is so beautiful. They felt confident. The beauty of service is not just a beauty. Art is what makes visible the invisible. But volunteers, the beauty of the volunteers, they are coming in and they are devoting their lives to serve other people. And the beauty of the chef and the creativity of the chef, they transform waste into amazing meal. Using ordinary ingredients, but creating extraordinary recipes. So that's what beauty is. This is an Italian heritage for you? This is a universal at the same time. Grandmother, no? Growing up like that, you cannot be touched by that, you know? So it's an homage to my mother or to my grandmother, but it's not me, it's us.
it's a project of everybody, not just universal. Me. But you, that you are communicating that, all the chefs in the world, they are part of this, and it's an action of aesthetic and ethic together. Yeah. Can you talk a little bit about the fact that the father had mentioned, had said something really poignant about transforming the crumbs from the rich to forming the black widow? It's not the crumbs from the rich. It's the crumb from what we have in the restaurant. One of the most, one of the things we have in restaurants always is the bread. And the bread can be transformed in so many things. You have to ask the right question to the bread. How old you are? Just baked, you're perfect for the thing. One day old, you're perfect for a bruschetta or some panzanelli. 5 days old, you make breadcrumbs. And with breadcrumbs, you can create amazing things. You can use that in a pesto instead of the peanuts. But also you can make you can mix with parmigiano and eggs a little bit of nutmeg and squeeze a spaghetti into the broth, chicken broth. So it's more figurative, yes, than literal. But, yeah. But what about the fact that you know the homeless are used to like, getting the leftovers, but this is a really different experience you're offering to these people because they're sitting down for a proper meal. Yes, they're sitting down exactly. Because it's about hospitality. Hospitality is the key of the project, and we learned that in Milan. You know, the day before, one week before the opening, we already had this whole amazing, you know, thing that was like to serve them, you know, in one line with the things. I said, and I said to Christina, how many volunteers do we have? Unbelievable, hundreds of volunteers. And I said, so let's jump. Can't forget about serving as a soup kitchen. Let's serve at the table. And we decide to prepare appetizer, pasta, main course, dessert for them. That would change everything. The attitude, our attitude, and their attitude. You know? Describe your reaction of her. Okay, Andrew Jacobs in the New York Times wrote after a few words from one of the guys. And he said, it's the first time we have treated like human beings. I asked my friend to pinch me because we felt like prince. And no lady in London, day one, she said that, can I have a microphone? And I said, okay, this is a microphone. She said, this is the most beautiful place I've seen in my life. This is gonna create community for us. I can die very happy because now I'm 92 years old and I can die very happy. So once you receive this kind of thing, it's Mark, oh yeah. Thank you very much. Ciao, Mark. Ciao, Mark. I was talking about it. Thank you. Design. Yes. This. But I have to represent Mark because in Paris, you imagine my job. No. No, I cannot imagine. Look at this. No, that's not my love. Et pourquoi il faut passer par des grands noms et JR ou des pour arriver à passer un projet comme ça? JR, c'était le premier qui a compris ce projet à Rio de Janeiro. Et il a regardé moi. Il a dit, je te vais aider, je te vais faire ça, si tu veux. J'ai dit, thank you very much. Okay. Tu le peux faire. Il a fait un projet la dernière semaine avant d'ouvrir à Rio de Janeiro. Il était avec nous dans le réfectoire à servir et à comprendre le projet. Il a dit, ça c'est un des plus grands projets que j'ai jamais vu. On doit le faire à Paris. Est-ce que c'est important? C'est le pesto, pasta pesto. Vous voulez goûter? Est-ce
est-ce que c'est important d'avoir ces noms-là derrière en tant que chef? On les a pas vus avec les cœurs, comme ça. Ils font aussi un travail. Les chefs, la cuisine, c'est un geste d'amour. Ce n'est pas les grands chefs comme nous. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas le projet. C'est aussi, Mais ça, c'est vrai. Non, mais la cuisine, c'est aussi du business et du marketing. On ne peut pas se cacher. Si tu aimes ça. Ce que tu fais, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais pourquoi Romain, qui aime ce qu'il fait, il est dans la cuisine en ce moment à faire une velouté de céleri qui est une chose incroyable. Et Yannick, il va décider ce qu'il va faire de viande, même de bœuf, de fait. Il va penser qu'il pense qu'il n'y a pas de. Il ne peut pas servir de porc. Il doit. La vision, la créativité peut changer le monde. Pour démontrer à tout le monde qu'il n'est pas gaspillage. Cet ingrédient sont ordinaires ingrédients et on va démontrer ça avec des recettes extraordinaires.